Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Garde la bouche close. Bloque tes sens. Émonce ton tranchant. Délie tes nœuds. Adoucis ton regard. Laisse ta poussière se déposer. Ceci est l'identité originelle. Sois comme le Tao. On ne peut l'approcher ou s'en éloigner, l'avantager ou lui nuire, l'honorer ou le faire tomber en disgrâce. Il s'abandonne continuellement. C'est pourquoi il perdure. Si tu veux être un grand dirigeant, apprends à suivre le Tao. N'essaie pas de contrôler. Laisse tomber les plans et les concepts, et le monde se gouvernera lui-même. Plus tu imposes d'interdictions, moins les gens sont vertueux. Plus tu as d'armes, moins les gens seront en sécurité. Plus tu mets en place d'assistance, moins les gens seront autonomes. C'est pourquoi le maître dit « Je laisse tomber la loi et les gens deviennent honnêtes. Je laisse tomber l'économie et les gens deviennent prospères. Je laisse tomber la religion et les gens deviennent sereins. Je laisse tomber tout désir pour le bien commun. Et le bien devient aussi commun que l'herbe. » Si l'on gouverne un pays avec tolérance, les gens sont tranquilles et honnêtes. Si l'on gouverne un pays par la répression, les gens sont déprimés et retors. Quand la volonté de pouvoir domine, plus grands sont les idéaux, plus petits sont les résultats. Essaie de rendre les gens heureux, et tu poses les fondements de la misère. Essaie de rendre les gens vertueux et tu poses les fondements du vice. Ainsi, le maître se contente de servir d'exemple et de ne pas imposer sa volonté. Il est pointu, mais ne perce pas. Direct, mais souple. Radieux, sans éblouir. Pour bien gouverner un pays, il n'est rien de mieux que la modération. La marque d'un homme modéré est sa liberté envers ses propres idées. Tolérant comme le ciel, pénétrant comme la lumière du soleil, solide comme la montagne, souple comme l'arbre dans le vent, il n'a pas de destination en vue et tire parti de tout ce que la vie vient à mettre sur son chemin. Rien ne lui est impossible. Parce qu'il a lâché prise, il peut s'occuper du bien-être des gens comme une mère s'occupe de son enfant.
devenir un grand pays est comme frire un petit poisson. Tu le gâtes en le faisant trop cuire. Centre ton pays dans le Tao et le mal n'aura aucun pouvoir. Non qu'il ne soit pas là, mais tu pourras t'écarter de son chemin. Ne donne au mal rien à quoi s'opposer et il disparaîtra de lui-même. Quand un pays obtient une grande puissance, il devient comme la mer. Toutes les rivières viennent s'y jeter. Plus il devient puissant, plus grand est le besoin d'humilité. L'humilité, c'est avoir confiance dans le Tao et ainsi ne jamais avoir besoin de se défendre. Une grande nation et comme un grand homme. Quand il fait une erreur, il s'en rend compte. S'en étant rendu compte, il l'admet. L'ayant admis, il la corrige. Il considère ceux qui lui montrent ses fautes comme ses guides les plus bienveillants. Il considère son ennemi comme l'ombre que lui-même projette. Si une nation est centrée dans le Tao, si elle nourrit ses citoyens et ne se mêle pas des affaires des autres, elle sera une lumière pour toutes les nations du monde. Le Tao est le centre de l'univers, le trésor de l'homme bon, le refuge de l'homme mauvais. Les honneurs peuvent s'acheter avec des mots habiles. Le respect peut se gagner avec de bonnes actions. Mais le Tao est au-delà de toute valeur et personne ne peut l'acquérir. Ainsi, quand on choisit un nouveau dirigeant, n'offre pas de l'aider avec tes richesses ou ton expertise. Offre plutôt de l'instruire au sujet du Tao. Pourquoi les anciens maîtres estimaient-ils le Tao? Parce qu'en étant un avec le Tao, lorsque tu cherches, tu trouves, et lorsque tu fais une erreur, tu es pardonné. C'est pourquoi il est aimé de tous. Agis sans faire, travaille sans effort. Considère les petites choses comme si elles étaient grandes et les choses peu nombreuses comme abondantes. Affronte le difficile tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. Le maître ne court jamais après le grand. Ainsi atteint-il la grandeur. Quand il rencontre une difficulté, il s'arrête et il s'y consacre. Il ne s'accroche pas à son propre confort. Ainsi, les problèmes ne sont pas un problème pour lui.
ce qui a pris racine est facile à nourrir. Ce qui est récent est facile à corriger. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est petit est facile à disperser. Préviens le malheur avant qu'il ne survienne. Mets les choses en ordre avant qu'elles n'existent. Le pin géant grandit à partir d'une petite pousse. Le voyage de mille lieues commence avec le premier pas. En te précipitant dans l'action, tu échoues. En essayant de saisir les choses, tu les perds. En forçant un projet à s'achever, tu gâtes ce qui était presque mûr. Ainsi, le maître agit en laissant les choses suivre leur cours. Il demeure aussi calme à la fin qu'au début. Il n'a rien et n'a donc rien à perdre. Ce qu'il désire est le non-désir. Ce qu'il apprend, c'est à désapprendre. Il rappelle simplement aux gens qui ils ont toujours été. Il ne se soucie de rien excepté du Tao. Ainsi peut-il prendre soin de toute chose. Les maîtres anciens n'essayaient pas d'instruire les gens, mais leur enseignaient à ne pas savoir. Quand ils pensent connaître les réponses, les gens sont difficiles à guider. Quand ils savent qu'ils ne savent pas, les gens peuvent trouver leur propre voie. Si tu veux apprendre à gouverner, évite d'être riche ou astucieux. Le modèle le plus simple et le plus clair, satisfait d'une vie ordinaire, à tous, tu peux montrer la voie pour retourner à leur vraie nature. Tous les fleuves se jettent dans la mer parce qu'elle est plus basse qu'ils ne sont. L'humilité lui confère sa puissance. Si tu veux gouverner les gens, tu dois te placer au-dessous d'eux. Si tu veux mener les gens, tu dois apprendre à les suivre. Le maître est au-dessus des gens et personne ne se sent opprimé. Il guide les gens et personne ne se sent manipulé. Le monde entier lui est reconnaissant. Parce qu'il n'est en rivalité avec personne, personne ne peut rivaliser avec lui. Certains disent que mon enseignement est absurde. D'autres le disent sublime, mais impraticable. Mais pour ceux qui ont regardé en eux-mêmes, cette absurdité fait parfaitement sens. Et pour ceux qui le mettent en pratique, cette sublimité a des racines profondes. Je n'ai que trois choses à enseigner. La simplicité, la patience, la compassion. Toutes trois sont tes plus grands trésors.
simple en action et en pensée, tu retournes à la source de l'être. Patient avec tes ennemis comme avec tes amis, tu te mets en accord avec la réalité. Compatissant envers toi-même, tu réconcilies tous les êtres du monde. Le meilleur athlète veut son adversaire au meilleur de sa forme. Le meilleur général pénètre l'esprit de son ennemi. Le meilleur homme d'affaires sert le bien commun. Le meilleur dirigeant suit la volonté du peuple. Chacun d'eux incarne la vertu de la non-compétition. Non qu'il n'aime rivaliser, mais ils le font dans l'esprit du jeu. En cela, ils sont comme des enfants et en harmonie avec le Tao. Les généraux ont un adage. Plutôt que faire mouvement le premier, mieux vaut attendre et observer. Plutôt que d'avancer d'un pouce, mieux vaut reculer d'un pas. On appelle cela progresser sans avancer, repousser sans utiliser d'armes. Il n'est pas de plus grand malheur que sous-estimer ton ennemi. Sous-estimer ton ennemi revient à penser qu'il est mauvais. Tu détruis ainsi tes trois trésors et deviens toi-même un ennemi. Quand deux grandes forces s'opposent, la victoire va à celui qui a appris à céder. Mes enseignements sont simples à comprendre et simples à mettre en pratique. Pourtant, ta raison ne les saisira jamais. Et si tu essayes de les mettre en pratique, tu échoueras. Mes enseignements sont plus anciens que le monde. Comment pourrais-tu en saisir le sens? Si tu veux me connaître, regarde dans ton cœur. Ne pas savoir est la vraie connaissance. Présumer savoir est une maladie. Prends d'abord conscience que tu es malade, alors tu pourras recouvrer la santé. Le maître est son propre médecin. Il s'est guéri de tout savoir. Ainsi est-il vraiment sain.
quand ils perdent le sens du merveilleux, les gens se tournent vers la religion. Quand ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils commencent à dépendre de l'autorité. C'est pourquoi le maître se met en retrait, afin que les gens ne s'écartent pas de leur voie. Il enseigne sans enseigner, pour que les gens n'aient rien à apprendre. Le Tao est toujours serein. Il vint sans lutter, répond sans dire un mot, arrive sans avoir été appelé, accomplit sans dessein. Son filet couvre l'univers entier, et bien que ses mailles soient larges, il ne laisse rien échapper. Si tu comprends que tout change, il n'est rien auquel tu tenteras de t'attacher. Si tu n'as pas peur de mourir, il n'est rien que tu ne pourras atteindre. Tenter de contrôler le futur est comme tenter de prendre la place du maître charpentier. Quand tu manies les outils du maître charpentier, il y a de fortes chances que tu te coupes la main. Quand les impôts sont trop élevés, les gens souffrent de la faim. Quand le gouvernement est trop envahissant, les gens perdent leur allant. Agis dans l'intérêt des gens. Fais leur confiance. Laisse-les tranquilles. Les hommes naissent mous et souples. Morts, ils sont raides et durs. Les plantes naissent tendres et élastiques. Mortes, elles sont sèches et cassantes. Ainsi, quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et flexible est un disciple de la vie. Le dur et le raide seront brisés, le doux et le souple prévaudront. Quand il agit dans le monde, le Tao est semblable à la courbure d'un arc. Le sommet est courbé vers le bas, le bas courbé vers le haut. Il corrige excès et insuffisance afin qu'il y ait parfait équilibre. Il prend à ce qui est trop et donne à ce qui n'est pas assez.
ceux qui essaient de contrôler, qui emploient la force pour protéger leur pouvoir, vont contre le sens du Tao. Ils prennent à ceux qui n'ont pas assez et donnent à ceux qui ont déjà bien trop. Le maître peut donner sans relâche, car sa richesse n'a pas de limite. Il agit sans attente, réussit sans le revendiquer, et ne pense pas être meilleur que n'importe qui. Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau. Mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne la surpasse. Le mou triomphe du dur, le souple triomphe du rigide. Tout le monde sait que cela est vrai, mais peu savent le mettre en pratique. Ainsi, le maître demeure serein au sein même de la douleur. Le mal ne peut pénétrer son cœur. Parce qu'il a renoncé à aider, il est l'aide la plus précieuse pour autrui. Les paroles vraies semblent paradoxales. L'échec est une opportunité. Si tu blâmes autrui, jamais le blâme ne prend fin. Ainsi, le maître remplit ses propres obligations et corrige ses propres erreurs. Il fait ce qu'il doit faire et n'exige rien des autres. Si un pays est gouverné avec sagesse, ses habitants sont satisfaits. Ils aiment travailler de leurs mains et ne perdent pas de temps à inventer des machines pour économiser leur temps. Puisqu'ils chérissent leur foyer, ils ne s'intéressent pas au voyage. Il peut y avoir quelques chariots ou navires, mais ceux-ci ne vont nulle part. Il peut y avoir un arsenal empli d'armes, mais personne ne les utilise jamais. Les gens apprécient leur nourriture, prennent plaisir à être en famille, passent leur temps libre à cultiver leur jardin, se réjouissent de ce que font leurs voisins. Et même si le pays d'à côté est si proche qu'ils en entendent les coqs chanter, et les chiens aboyés. Ils sont heureux de mourir de vieillesse sans jamais l'avoir visité. Les paroles vraies ne sont pas éloquentes. Les paroles éloquentes ne sont pas vraies. Les hommes sages n'ont pas besoin de prouver leur dire. Les hommes qui ont besoin de prouver leur dire ne sont pas sages.
Le maître ne possède rien. Plus il fait pour les autres, plus il est heureux. Plus il donne aux autres, plus il est riche. Le Tao nourrit en ne forçant pas, en ne dominant pas. Le maître dirige.